Allez, on enchaîne. Jour de pluie aujourd'hui et c'est l'anniversaire de Kent. Je le vois en haut avec la petite icône. Du coup, hop, ça c'est toujours l'habitude de regarder si on n'a pas, si on a de la chance ou si on a de la pluie le lendemain. Du coup, ça ne sert plus à rien de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup comme courrier? Ah oui, c'est vrai qu'il veut nous envoyer la recette de la graine de fibre. Alors du coup, on avait récupéré la statue de bénédiction. Alors, 999 de sève, oui. 999 de fibre, oui. 999 de pierre, non. Eh oui. Eh oui et non. Après, en vrai, ce serait cool de l'avoir. 999 de pierre, ça me paraît quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais améliorer mon tamis. Comme je l'avais dit. On pourrait améliorer notre hache aussi. On pourrait améliorer nos outils en fait, en gros. Ok, bon, on va aller voir nos animaux. Du coup, ils sont à l'intérieur. Ok, donc ouais, ça a bien pris en compte ça, mais ça n'a pas ramassé ce qu'il y avait au sol. Alors par contre, le truc, c'est que ça me donnera un peu moins d'XP. Bon, après, c'est pas dramatique. Ça me donne un peu moins d'XP. Je sais pas si j'en aurais besoin pour les autres. Moi j'aimerais bien ma patte de lapin quand même, hein. C'est quand même bien cool qu'il me donne ma patte de lapin. J'ai pas l'air d'en voir. Je crois qu'on n'aura pas de patte de lapin, monsieur Frodon. Ah non, y a pas de patte de lapin. Y a les œufs de canard, ça y en a. Et de la laine. Mais y a pas de pâte de lapin. Allez, bonjour à tous. Bon, finalement, j'aurais pu récupérer 2-3 trucs quand même du récolteur de l'autre côté. Oh la vache! C'est les chèvres, mais grosse quantité de fromage en prévision. Perspective plutôt. Bon, disons bonjour à tout le monde. Encore une fois, ça donne un peu d'XP. Et ça nous donnera du fromage de meilleure qualité. Alors, mesdames les vaches, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'on refasse une petite production de presse à fromage. Parce que là, on accumule quand même le lait. Et malheureusement, pas en faire grand chose de l'autre côté. On va aller voir Marnie. Du coup, je vais racheter des cochons. Et normalement, je devrais pouvoir acheter aussi le manuel. Je sais pas combien ça coûte, on va regarder. Mais le manuel qui me permet de pouvoir accéder à son catalogue, même quand elle est pas chez elle. Ouais, c'est ça. 5000 balles. En vrai, oui. En vrai, oui. En vrai. Non, 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 non. Voilà. Et du coup, on va t'acheter les animaux. Bah, du coup, on va continuer les cochons. On en a 3. De toute façon. Jonus. Jonus le cochon. De toute façon, ça coûte 16 000 balles, donc il n'y a pas. Qu'est-ce que. Ça a pas marché? Pourquoi ça. Attends, pourquoi ça veut pas me le. Pourtant, j'avais appuyé sur la même touche tout à l'heure, mais ça a pas marché. Bizarre. Myrtina.
Voilà, parfait. Bon, alors on va lire le livre. Hop. Parfait. Ah, il pleut, Penny. C'est peut-être pas la meilleure des choses, hein. Organiser un pique-nique quand il pleut. On va aller regarder pour trouver un cadeau pour notre ami Kent. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, de notre côté? Parce qu'au niveau de la chance. Ouais, on a un peu de chance, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller à la mine du désert pour autant? Bof. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire de notre journée? En vrai, moi j'aimerais bien faire la statue, mais récupérer autant de pierres, c'est. C'est pas gagné, hein. J'ai un coffre en trop là. Enfin, en trop. On va le mettre là. Ah oui, il faut que j'aille améliorer mon tamis. Ah oui, c'est ça que je venais chercher. Où est-ce que j'aurais mis les fruits de cactus? Ah, je l'ai mis en hiver. Je crois que c'est ça pour Kent. Anniversaire de Kent. Ah, je sais plus. Ça, c'est pas noté. Je sais plus si c'est ça, mais en fait, j'ai le souvenir que ce soit ça. Je sais plus si c'est ça ou la noix de coco. Ah, attendez, je vais regarder. J'ai pas envie de faire une bêtise. Ça va prendre 2 secondes. Alors, Kent. Ah putain, mais c'est aucun des deux. C'est vraiment aucun des deux. C'est risotto aux fougères ou noisettes grillées. Alors je sais pas du coup pourquoi. Si je lui offre une perle, il va bien aimer, non, une perle. Moi je vais lui offrir une perle. Parce que si ça donne pas le maximum. Toi, donne une perle, j'en ai 3. Je sais pas quoi en faire de mes perles. Ok, alors du coup on va revendre toute cette saloperie. Ouais, faudrait que je refasse aussi les. On va regarder ça après. Goudron de pin, ouais je dois en avoir quand même un petit peu. Après ça me demande du bois. Il faudrait qu'on se fasse une plantation de bois. Faudrait qu'on s'occupe de ça. Ah, attendez, Kent il est où? Oui c'est quand même pratique hein, cette petite spécificité là de voir où sont les habitants. Il est là, regardez-le. Voilà, il est content. Et on est passé à. Il est où? Ah, quasiment à 3. Bien. Bon, du coup, on va améliorer notre petite amie. Et puis après. Ah, on va peut-être aller voir si on n'a pas une quête à remplir aujourd'hui. Et puis voilà. Le tamis. Ça devrait être prêt d'ici quelques jours. Merci bien, très cher Clint. Donc là, on est bien. Mais ouais, je pense que j'irai peut-être faire un tour au désert et que j'irai planter les arbres. Parce que là, regardez, on n'a pas de quête. J'ai pas de truc à récolter étant donné que. Merde, ce sera à partir que de demain. Pourquoi j'irais bien faire un tour au désert moi, pour planter mes arbres. Ah, attends, les goudrons de pin. Où est-ce que j'aurais rangé ça? Il y en a ici. Et il nous fallait du bois et de la fibre, c'était ça? Ouais. Peut-être en faire que 3. Et du coup, presse à fromage, bois dur, lingot de cuivre, bois, pierre. Après, même pierre, j'ai plus grand-chose. Hein.
Eh putain, bois dur, j'ai plus rien. J'avais pas planté des arbres, moi, à un endroit. Eh ben, changement de programme, du coup, hein. On va aller couper du bois aujourd'hui. Ah oui, j'ai pas de... D'accord, j'ai pas de bois dur. Il me faut du bois dur. Les lapins, ils sont là, hein. Oui. C'est pas fou d'avoir mis ça ici. Non, c'est de la merde. Ça n'est pas bien. On va placer ça dans la continuité. Mais non! Cassez-vous! Voilà. Du coup, bien évidemment, non. Hop! Bon, je récupère ça parce que c'est sur la route. Et on va aller couper un peu de bois, pour le coup. Comme en plus, maintenant, on a récupéré la possibilité de récupérer du bois dur sur chaque arbre. Autant en profiter. Par contre, ouais, notre hache, on pourrait l'améliorer aussi. Merde. Peut-être arrêter de les planter ici et je ferai vraiment mon... Ou alors je peux aller vraiment au nord aussi. Après, est-ce que ce sera pas plus simple d'aller voir... Merde, d'aller voir du côté du désert pour récupérer du... Pour aller récupérer du bois. Parce que mine de rien, c'est un peu relou quand même d'aller... d'aller au nord à chaque fois pour récupérer le bois. C'est pas un endroit où je passe régulièrement. C'est ça qui est embêtant. Par contre, là. Hop. Ça, je prends. Du coup, on va aller voir quand même. Bah, à la limite, je pourrais continuer de. Putain, on est déjà à 3600 d'XP. Après, je vous dis, la mine du désert. Ça rigole zéro. Entre l'iridium à récupérer, les monstres à buter. Et tout ce qu'il y a à côté. Ça avance vite. Ça avance vite. Ça avance même très vite quand on y réfléchit. Laissez-moi tranquille, les slimes. Hein. Ça n'est point le moment. J'aurais bien aimé récupérer une petite feuille d'érable. D'acajou. Pas d'érable. Ah, voilà, graines d'acajou. Faudrait qu'on se fasse un endroit où il y aurait vraiment que ça. Oh Léa! Bon, sous la pluie, encore une fois, c'est pas fou, hein. On a toutes les cinématiques sous la pluie, nous. Merde. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le deuxième à prendre en spécialité là? En maîtrise. Pourquoi j'arrive pas à retenir ce mot? En maîtrise. Pas compliqué en plus. Ah mais on avait déjà fait ça. Vas-y. Et du coup là... Ouais non mais là c'est... Dégager. Ah, dégage. On va mettre des chemins propres tout autour que qu'on soit pas emmerdé avec ça. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Alors, bah du coup on va faire ça. Planche rustique. On va mettre des chemins en bois, tout simple.
pas fait assez. Ouais, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait un truc là. Saleté, Eva. Là aussi. Pas vrai de voir ça, hein. Ok, bon là on est bien. Non, en vrai ça je peux laisser. Ça par contre on s'en fout. Hop, hop. Ok. Je vais aller voir au nord comment on est. Au niveau du bois. Si jamais on se refera une petite culture de bois. On va récupérer 30 bois durs, ça peut nous permettre normalement de faire 3 pré-sa-fromage. Alors qu'est-ce qu'on avait fait ici? Ah! Ok! C'est le bordel complet. On avait planté, on avait fait ça, mais comme des sagouins, c'est... On avait planté des arbres partout. Bien, 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 bien. On va récupérer ce qu'on peut. Ouais, là non, c'est pas possible. On peut pas laisser ça comme ça. C'est mort de chez mort. Juste faire ça. Qu'on puisse alterner entre les deux. Essayer de nettoyer un peu quand même. C'est une honte d'avoir fait ça. On s'était peut-être dit bon, pff, on aura peut-être pas spécialement besoin de bois ou je sais pas ce qu'on s'était dit pour faire ça comme ça. Et c'est pas bien. Ne plantez pas vos arbres n'importe comment. Faire les choses correctement quand même. Bon, il est 22h donc peut-être pas avoir le temps de faire grand chose. Bon, après ça m'emmerde parce que du coup les arbres là ils ont déjà un petit peu poussé donc ça aurait pas trop tardé. Ouais, le truc c'est que ouais non, je vais aller me faire ma petite culture d'arbres désert en attendant que tout ce qu'il y a ici se complètement. Hop. Ouais, on va faire ça. On a récupéré un petit peu de bois dur. C'est quoi, presse à fromage? Du coup on va mettre ça chez les vaches. Mesdames les vaches, je vais rajouter quelques presses à fromage si vous le voulez bien. Ah, de la place ici, regardez. Hop. Ah non, j'ai plus de place par là. Alors, regardez, il y a plein de lait. On va en remettre. On va quand même faire attention parce que il est relativement tard.
Non! Je voulais voir s'il y avait quelque chose dans ce truc, et du coup, comme il n'y a rien, bah. Ça me l'a fait boire, chier. C'est pas grave. Allons revendre tout ça. Et demain, les lapins, on aimerait bien. On aimerait bien que vous nous donniez notre petite patte de lapin, qu'on aille l'échanger contre le monsieur. Un peu bizarre dans sa camionnette. Tac. Du coup, on va déposer tout ce qui est ressources. Ça, on peut déposer ça ici. Ok. Ah, attendez, du coup, qu'est-ce qui me bloquait pour en refaire des. Ah, c'est la pierre, j'en ai pas des masses. Ouais, putain, 179. Je pense que prochaine journée de chance, vraiment. Putain, mais j'ai plein de trucs encore. J'ai le goudron de pain. J'ai le poireau, j'ai les lingots. J'ai les algues. Qu'est-ce que je fous avec une algue sur moi, franchement? Franchement. Et... Oh là là, 30... 33 000 balles quasiment. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Allez, aujourd'hui, normalement... Ouais, ok. On n'a pas beaucoup de chance. Mais par contre... Merci, Linus. Il partage sa bonne fortune. Il a fait des maquis chez lui. Alors j'aurais peut-être me méfier quand même de sa bouffe. Étant donné que je sais pas comment il s'y est pris. Je voulais chercher quoi? Je voulais faire... Ah oui, je voulais rechercher les graines. Bah vas-y, on va faire ça et ça. On va planter les choux verts d'abord. Alors si, je voulais regarder un truc. C'est, est-ce qu'on gagne de l'XP? Alors, 3983. Ok, donc on récupère même l'XP avec ça. C'est très bien. Parce que j'avais peur qu'on ne le récupère pas l'XP. Avec la faux, mais si. Après, vu qu'on replante par-dessus, c'est pas gênant. Mais en fait, le fait d'avoir fait ça en fait autour de mes arbres, ça me permettra que ça ne pousse pas, que les arbres ne poussent pas au milieu. Bon, attendez, on va faire ça autrement. J'aurais pas assez de grains de café là. Il faut que je refasse des graines. Oh la vache! Ah putain, il y a des feuilles là, c'est pour ça que je peux pas avancer. Bon, attendez, j'étais parti pour refaire des graines, moi. Est-ce qu'on gagne des 4227? Non. On gagne pas d'argent en récupérant du miel. J'ai pas du miel quelque part. Si là. Oui, donc on va refaire des graines, mais des graines de quoi? De quoi refaisons-nous des graines? Bah en vrai, peu importe. Faire des graines de carottes. C'est des trucs qu'on peut récupérer en boucle, en boucle, en boucle. Allez, allez! C'est pas ici. Hop! Allons replanter nos carottes. Je crois qu'on en a assez là. 22. Ça devrait l'être. Ok, allons voir à l'intérieur des habitations d'animaux.
ici, qu'est-ce que ça dit? Il dit, ça dit que je suis toujours déçu de mes lapins. Mes lapins continuent de me décevoir. Dis, ça va finir en lapin à la moutarde, ça. Bon, là, les dinosaures, rien du tout. Ensuite, bon, ici, il devrait y avoir rien à voir normalement. Ah, si, du coup, c'était avant-hier qu'on avait rien. Bon, les cochons n'ont toujours pas grandi, du coup ils ne peuvent toujours pas trouver de truffes. Et ça ne saurait tarder. Alors, mesdames les vaches. Là, vous, par contre. C'est bien productif. Voilà. Et là, on est bien pour les animaux. Du coup, j'ai 35 000. Bah écoutez, je vais retourner voir Marnie pour acheter. C'est combien? 16 000? 32 000, parfait. On va racheter deux cochons. Si on peut se permettre de racheter un cochon tous les jours. Ah oui, il y a l'autre là. On va aller la voir. C'est quoi? Bah, ouais, mais en fait, elle aurait rien vraiment qui m'intéresserait. Ou alors, il faudrait qu'elle ait des haricots en or, mais. Ou une patte de lapin. Ou le catalogue rétro. Non, elle a rien d'intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Des graines de blé, moi. Ah non, t'as rien d'intéressant, je suis désolé. Je suis clairement désolé, mais tu n'as rien d'intéressant à me donner. Et par contre, à mon avis, ça doit être après le centre communautaire qu'il y a l'histoire des ratons laveurs. Parce que là, on a terminé la première année, on n'est pas tombé dessus du tout. Acheter les animaux. Un cochon Nurti? Nurti. Un autre. Sudza. Voilà, parfait. Est-ce qu'on a une petite quête aujourd'hui à remplir? Un poisson-chat pour Jody. Alors, poisson-chat, 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 est-ce qu'on en a gardé? Je ne sais pas du tout si on en a gardé. Qu'est-ce que vous faites dans mes cultures, vous? C'est pas un endroit pour vous, tout ça. Ah, mais j'ai pas vu mes poules aujourd'hui. Par contre, vous avez pas d'herbe bleue, vous. Et. Ah, il faudrait que je déplace le poulailler. Ah, faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir Robin. Faudrait qu'on déplace. J'ai tellement trop d'œufs. Je vais aller voir Robin. Hein. Je vais essayer de déplacer le poulailler et de le mettre à côté des autres. Midi 40, je pense que vendredi elle doit être chez elle. Hein. Cool, le charbon. J'avais dit que j'irais. Putain, j'avais dit que je ferais plein de trucs et en fait je. Je ne fais pas plein de trucs. Bon, il est sympa, hein, Linus, à se baigner à poil dans le petit lac là, mais bon. Ça nous intéresse que très peu. Ah putain, j'ai le bois dur à lui donner, mais j'en ai pas. Bon alors. Déplaçons. Hop, ce poulailler. Ah, il faudrait qu'on le mette par ici. Après, si je le mets là en vrai, ce sera bien. Ou alors, faudrait tout que je déplace de quelques crans vers la droite, vers la gauche, mais je peux pas spécialement. Après, de toute façon, faudra que je décale mes. Tout ça là. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite zone sympa ici? Ou alors, faudrait que je construise un cabanon dans cette zone. Ici là. Un cabanon. Voilà, attendez, je peux pas. Ah, maintenant je peux pas la déplacer encore et. Bon, c'est très bien ça, on va déplacer les paratonnerres qu'il y a ici. Ah, Linus, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Je sais que nous sommes amis.
Ah putain, mais j'aime pas regarder le poisson chat. Je sais que nous sommes amis, mais faut pas pousser non plus, Linus. Combien avec Linus? Ah ouais, putain, on est pas mal avec Linus. Très très bien. On va peut-être faire en sorte de. Ah oui, mais j'ai pas amélioré ma maison, donc ça sert à rien d'être à 10 coeurs avec Léa. Je crois qu'il faut l'améliorer. Je crois que c'est une fois. Ou alors c'est deux fois qu'il faut l'améliorer pour qu'elle vienne vivre avec nous. Tant qu'à faire, on refait des graines de carottes. Ça fera pas de mal. Donc on a dit tout ça, on va dégager. Toute façon, les orages, ça sera pas avant l'été. Voilà, mangez votre herbe bleue. Et ne m'emmerdez pas. Par contre, j'ai peut-être. Peut-être mettre un petit poteau à l'intérieur de l'herbe bleue là. Ou alors je vais attendre. Ah ouais, non, j'ai pas encore la recette en fait. C'est ça qui m'embête. Parce que si j'avais la recette pour l'herbe bleue, je pourrais directement en placer devant. Après, je peux fermer. Si, il y aurait une solution, c'est que je ferme. Je ferme leur porte le soir. Et je laisse fermer pendant quelques jours le temps que. Tant que ça se propage correctement. Putain, mais là c'est. Oh, bah. Tout pile. Ah mais attendez, mais je suis con. Ah bah non. C'était. Ah non, c'était. Non, c'est où? C'est ici que j'ai mis les lapins? Je sais plus. Bon, c'est pas bien grave. Du coup. Ah oui, j'avais dit que j'irais au désert. Ouais, bah, j'aurais pas le temps d'aller au désert. Ouais, bah attends. Bah. Fait une ligne ici ou pas? Oh non, on se fait pas. Non, 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 non. Mauvaise idée, les paratonnerres ici. Sinon, je les retirerai, je les bougerai à un autre endroit. Là, ça va me faire chier parce que si je veux construire quelque chose ici, Ami, je peux les mettre là. Je veux que tu dégages la poule. Allez! Je veux que tu te barres. Profitons-en. Il m'en reste 7. Ah, oh, casse-toi. Ah, c'est parce que c'est moi qui suis trop près. Voilà, bah écoutez, ça va rester comme ça, hein. Ok, donc les graines de carottes, ça continue. Bah écoutez, ouais, c'est bien pour aujourd'hui. Pouvoir faire des graines de panais aussi. Non, alors non, ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est interdit. Interdiction de vendre. Mais j'ai encore 4 œufs là. Comment ça se fait que j'ai sans arrêt les œufs sur moi? Allez, c'est bon, tout le monde rentre à la maison là? Et toi là, je t'ai vu toi dans les coffres. Et à la maison? Non mais. Putain, le poisson chat. J'ai oublié. Non, c'est pas là. C'est pas là. Ah bah j'ai pas de poisson chat. Ah si, j'en ai là. C'était pour qui? Jeudi? Jeudi, où est-ce qu'elle est jeudi? Elle doit être chez elle. Ah non. Comment c'est qu'il y a autant de monde là? Ah mais jeudi elle est là. Oh putain, elle est en train d'entrer chez elle, je crois. Oh non, jeudi! Au pire on ira demain, c'est pas grave. Mais jeudi, jeudi, jeudi! Elle est peut-être en train de discuter dehors avec quelqu'un. Je sais qu'elle est, elle est de temps en temps juste en dessous là. Ah,
Ah, je crois que c'est mort, je crois qu'elle était en train de rentrer chez elle. Je peux rentrer. Ah là. Tiens ton poisson chat. Merci pour les 600 balles. Est-ce que je peux rentrer dans la chambre de Vincent? Toujours pas. Interdiction. De rentrer dans la chambre de Vincent. Bah écoutez, tant pis. Bah écoutez, on va rentrer, hein. Finalement, j'aurais pas fait ma culture d'arbre dans le désert. Tant pis, que voulez-vous? Ce sera pour une prochaine fois. Encore des jades, ça j'aime bien. Pas qu'on oublie par contre tous les vendredis. Tous les dimanches, pardon. D'aller voir du côté du désert et de récupérer les escaliers. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse fermer un petit peu? Ah bah oui, évidemment qu'ils veulent dormir. Bon, il nous reste un peu d'énergie. Enfin, il nous reste un peu. Il nous reste de l'énergie. On va dégager tout ça. Et oui, du coup, on va essayer quand même de placer un petit quelque chose à l'intérieur de cette herbe bleue pour éviter que les animaux bouffent tout. On se retrouve sans. Putain la vache, c'est quand même très 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 efficace hein, cette faux. Il n'y a pas à dire. Ça change la donne. Et après, je crois que ça donne automatiquement un de foin à chaque fois que. Bah, à chaque fois que vous en retirez. Merde, putain, j'ai triché pas comme un arbre vers le bas. Bah, tant pis, hein. Mais oui, à chaque fois que vous retirez un petit cran d'herbe ici, chaque fois ça vous donnera du blé. Contrairement à avant où vous aviez je sais plus combien de chances que ça vous en donne ou que ça vous en donne pas. Ça se poussera jamais ça. J'ai plein de graines. Donc demain vraiment, si on n'a pas de chance, il faut qu'on aille au désert et puis qu'on s'occupe de ça peut-être toute la journée même. Ça nous fait un peu d'XP. Quitte à ce que ouais, il faudrait que je. En fait, je suis allé au. Non, je suis pas allé à la forêt. Putain, 22h40. Non, j'aurais pas le temps. Ou alors ah putain, mais j'ai. Putain, mais j'ai une. Parfait. J'avais un endroit où je pouvais planter. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, il faudrait peut-être que j'essaie de planter que des acajou au désert. Ceci là. Ça va ici. Et normalement tout le reste on est bon. Du coup on va replacer. Tout ça là dedans, j'ai un petit peu de charbon, ça dégage. Et bah du coup on peut aller dormir. On dit bonjour au chat à 23h20 et on va se coucher. Et encore une fois à 25 000 balles, quasiment 26. Donc ouais, quasiment tous les jours on pourrait s'acheter un cochon, oui c'est sûr, mais presque deux cochons. Le tamis d'acier est terminé. Et regardez, on a plein de panais à récupérer. C'est bien, ça nous fait notre XP. Attendez, donc du coup, on va récupérer tout ça. On a combien là? 4440. Ce
qu'on a encore des trucs en bas à récupérer? Des carottes. Plein de carottes. Ah, c'est quand même hyper plaisant, hyper satisfaisant à faire ça. À récupérer avec les... avec la, la faux. Parce que vous perdez clairement moins de temps. Ouais, on a gagné 300 d'XP là avec ce qu'on a récupéré. C'est pas fou. Mais bon. C'est pas non plus les... c'est pas non plus les plantations qui rapportent le plus. Allez, nous on replante du panais. On attend nos... on attend nos haricots verts, non? On veut des haricots verts de qualité. Et du coup, je suis peut-être en train de me demander que j'aurais peut-être dû en prendre plus des haricots verts, non? Haricots verts dans 5 jours, avec engrais de qualité. Après, le truc, c'est que les carottes, voilà, c'est 3 jours. C'est 3 jours de plantation. Et vous pouvez récupérer ça directement derrière, donc... soit c'est très intéressant. Ah merde, elle est encore là. C'est plutôt intéressant. Dégager ça. Ça pousse de partout. Partout, partout, partout. Donc toi, désolé. Ça dégage. Allez, allons voir nos animaux. Comment se portent-ils aujourd'hui? Est-ce que nos lapins vont enfin... Par contre, pourquoi... Alors pourquoi là, je dois les caresser et la veille, ça m'avait dit non. Peut-être qu'ils ont perdu un petit peu de... de bonheur, je ne sais pas. C'est pas une journée très chanceuse. Je remarque ça à 9h30. Hein, mais... bon, les lapins, je suis désolé, mais... je suis désolé, mais ça va pas, là. Vous m'avez terriblement déçu, les gars. Vous me donnez rien. Ah merde, mais j'en ai des machines... machine à tisser la laine ici. Vous me donnez pas mes pattes de lapin. J'en ai 4 des lapins. Je sais que c'est très rare de récupérer des pattes de lapin. Mais ça fait pas... ça fait pas 3 jours qu'on les a. À un moment donné, il va falloir s'exécuter et me donner une patte de lapin. Après, plus j'en aurai, mieux ça sera, parce qu'il faut, il nous en faudra pour les cadeaux. Sauf pour Penny, parce que Penny est la seule personne qui déteste avoir comme cadeau une patte de lapin. Effectivement, ça fait un peu bizarre. Hein, de... tu offres une patte de lapin à quelqu'un. Je sais pas vous, hein, mais moi je trouverais ça bizarre. Allez, on est bon. Arrêtez de beugler, s'il vous plaît. Merci. C'est sympa. Hop, alors comment vont nos cochons? S'ils ont grandi. Ah, il y a des gros cochons. On va les laisser aller dehors. Allez-y. Et cherchez de la truffe. Bah ils vont surtout aller bouffer, regardez-les. Bah tiens. Ah ouais, 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 ça va bouffer directement. Bah oui, évidemment. Du coup, bah on va les revendre tout ça. Est-ce qu'on a une quête aujourd'hui? Un poireau pour jeudi encore, bah dis donc. Jeudi, elle ne s'arrête pas de nous demander des choses. Fromage, ça, 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 ça. Ok. Donc un poireau pour jeudi. On va lui ramener ça.
Tac, ici normalement j'ai rien. Et là-dedans, on a et Jade. Alors un poireau pour jeudi. Et du coup, je pense qu'après on va aller au désert. On va aller au désert avec du bois, ceci, ceci et ceci. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut sur moi? Oui. Après, ah, on pourrait faire de l'engrais pour les arbres. Où est-ce que c'est ça? Là. De la fibre et de la pierre. Après, fibre, on en a combien? Oh, putain, j'en ai. Ah ouais. Ah, fibre et pierre! Ah non, 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 non et non. C'est déjà assez chiant comme ça de récupérer de la pierre si en plus j'utilise pour faire des engrais pour les arbres. Non, tant pis. Ça prendra le temps que ça prendra. Bien évidemment aller récupérer cette jonquille. Alors j'espère qu'elle est chez elle, notre amie Jodie. Oui. Et voilà. Un abricot, Emily. Bof. Pas spécialement envie de m'emmerder à lui ramener un abricot. On lui ramènera ça plus tard. C'est pas si intéressant que ça. Attendez, au niveau du calendrier, on en est où? Okay, donc on pourra aller au Festival du Désert, hein, bien sûr. On ira au Festival du Désert même. Pam, j'ai besoin de toi. Nous allons au désert. J'aurais pu aller racheter un cochon, mais... Tant pis. Ah, il faudrait qu'on fasse des machines pour faire de l'huile de truffe. Faudrait qu'on fasse ça. Bon alors. Ici... Il va falloir s'organiser. Déjà, on va essayer de couper tout ce qu'on peut couper. Hop. On récupère ce qu'on peut récupérer. Et déjà, on fait de la place. Merde. Ah, j'avais dit que j'irais améliorer mon... Bah tant pis, on le fera plus tard. Que j'irai améliorer mon tamis en or. Parce que ça coûte que 5000 balles et quand je vois ce qu'on gagne tous les jours, ça ne me dérange pas de payer. Ok, donc pour cette zone, on est bon. Alors, du coup, mon bois. C'est un investissement long terme. Très 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 long terme. Après, ça se récupère. En vrai, le bois, pardon, c'est pas. Si vous prenez un peu les devants, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant à récupérer. Selon moi. Du coup. On est bien d'accord que. Si je veux planter. Pourquoi je peux pas? Je peux planter là. Pas à causer. Je sais pas. Alors on va faire nos lignes comme ça. Pas la meilleure idée de faire ça comme ça, mais du coup on va faire ça là. Non 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 non, on va pas commencer à en mettre partout. Déjà faire des lignes comme ça, au moins on sera sûr de ce qu'on fait. Pas la meilleure optimisation de l'espace, mais ce sera toujours mieux que rien.
À la limite, je crois que je laissais. Tout cet espace-là. Je laissais tranquille. Hein. Je laissais tranquille pour qu'on laisse quand même apparaître, apparent plutôt, les piliers. Vous voyez, là, on va faire. Attendez. Bah, du coup, non, en fait, je sais pas comment. Je sais pas comment ça va être, donc on verra après. J'ai déjà quasiment utilisé tout ce que j'avais pris. Non! Bim. Bon, on va faire les colonnes au fur et à mesure. Si je me doute qu'il y a des endroits où je pourrais pas planter, c'est pas grave. Déjà, ça fera un petit peu mieux organisé. Putain, je crois que j'en ai planté juste en dessous du bus. Ok, ça va, ça tombe bien. Plutôt bien géré le truc. Du coup, alors attendez. Ici on va planter et là on plantera pas. Du coup, là on plantera pas. Et là on plantera pas. Voilà. Alors, tac, 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 j'en ai plus, on va en refaire. J'en ai pas besoin de beaucoup en vrai, je pense. Hein. Je pense qu'on est plutôt... Ah merde. Ah mais... Ah oui d'accord, j'étais pas descendu jusqu'en bas. Un peu de trop là. Du coup, tac tac. Ensuite, voilà. Eh ben, on est bien. On est parfait, je dirais même. En temps normal, je fais un petit chemin quand même pour pouvoir aller jusqu'à la mine sans trop de problèmes. Voilà, tant pis, on se débrouillera sans. Ah, on peut rien planter là, ok. Ah mais j'ai pas fait. Oh putain, mais j'ai pas fait du tout là. Tac tac. Quelle heure? 22h10. Merde, 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 c'est pas là. Ok. Il nous reste un gland à planter. Il ira là. Ensuite, tout le reste. Vraiment, là, on peut faire en ligne. Parfait, ça se plante correctement ici.
ça on aura une bonne réserve d'arbres si jamais. Et le reste en pommes de pin, 23h20, je pense qu'on va pouvoir terminer ça pour aujourd'hui. Ok, donc faudra que je retienne. Il y a des endroits où il faudra que, par exemple, en fait, tout ça là. C'est les endroits où je peux pas planter. Pomme de pin, allez. Ok, alors minuit 10, de toute façon ça va aller vite. Donc là, oui, on avait dit on peut pas. Et on peut reboucher certains endroits. C'est les endroits où on peut pas planter, donc ça sert à... ça ne sert à rien de laisser comme ça, apparent. Non. Vous en faites pas, j'ai vu l'heure. Hop. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le plus gros là normalement. Deux petits ici. Bon, il y en a peut-être de l'autre côté, mais ce sera bien pour le moment. Eh bien écoutez, très bien. Il fallait le faire. On l'a fait, ouais, vous voyez, j'en ai posé un ici. C'est pas bien grave, c'est juste du visuel. Et puis maintenant, faut attendre que ça pousse. Et quand ça aura poussé, on ira tout couper et tout replanter. Comme ça que ça marche. Récupère les jades. Normalement, du coup, nos cochons, ils auront donné des truffes aujourd'hui. Donc, on pourra aller donner ces fameuses truffes au centre communautaire et terminer le bundle. Tac. Merde. Ici, on dépose tout ça. Ça, ça. J'ai pas déposé la noix de coco. Hop. Et du coup, on est bien pour aujourd'hui. On aura fait ce qu'on voulait faire. Miaou le chat. Et on se fait... Bon, là, on se fait un petit peu moins, parce que c'est vrai que les autres jours, on avait récupéré plusieurs récoltes de la journée, mais quasiment 12 000 balles. Ce qui est relativement correct, on va dire. Très bien. Et regardez, il y aura beaucoup de choses à faire la prochaine fois. Bon, beaucoup de choses. Le premier, c'est la reine des sauces. Ensuite, le petit marchand itinéraire. L'anniversaire de Lewis. Et on a un tout petit peu de chance. Ouais, je crois que c'est pas la chance max, hein, ça. Ah non, c'est... Ah, c'est normal, du coup. La chance est entre tes mains. Ok, c'est la chance normale. Ok, et eh bien écoutez, on verra ça la prochaine fois. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et bien du coup, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, le début du printemps de l'année 2. Il y aura d'autres choses à faire. Mais là, c'est vrai que du coup, on a pris un peu de retard par rapport au centre communautaire. On aurait pu terminer le centre communautaire avant la fin de la première année. Bon, après, ça aurait été chaud quand même au niveau des... avec les cochons. Mais en vrai, je pense que ça aurait été faisable. Bref, merci encore une fois à ceux qui sont passés sur ce stream. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin de journée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !